en photo. Ah ouais, toi tu parles de... Ah ouais, du Google, ouais je connais ça. Ouais, j'ai cherché un peu, t'as recherché quelqu'un où j'habitais avant, où j'habitais un temps. Même chez moi où j'habitais pour l'instant, j'ai essayé de le trouver et j'ai réussi à le trouver, c'est impressionnant à regarder. Google Street. Ouais, ouais. T'as entendu Eric, hein? Ouais, ouais, mais j'ai lancé moi de Google Earth là pour placer les OM de temps en temps, pour savoir pour les directions avec, la, avec les directives, c'est ce que je faisais quoi. C'était bien pratique, ouais. Ouais, mais écoute, j'ai laissé un petit blanc. J'ai laissé un petit Rix parce que j'ai allé à un endroit où vous pouvez pas aller à ma place, et je reviens. Ah, c'est normal, c'est la ligne. Gros besoin, coupe ta besoin. C'est normal, il faut y aller, des fois, faut faire la vidange. J'ai même pas pu passer ma voiture au contrôle technique, là, j'ai dépassé. J'entendais la télé que, logiquement, les flics d'hier, j'en ai entendu parler, c'est ce matin ou hier, comme quoi, ouais, ben, tu peux rien. 3 mois de plus. Ouais, c'est ça, ouais, on est obligé d'attendre, hein. Tu me diras, ouais, c'est pareil, le camping-car, faut que je l'emmène au moins, j'ai le temps, moi, encore, c'est au mois de juillet. Ouais, dans le temps, ouais, ils attendaient 3 mois de plus. Eh, Eric, je sais pas si t'es parti au Big Room. Mais j'avais mis un lien là que j'ai montré à que Stéphane avait vu. J'avais mis un lien sur le site, enfin, sur Facebook, merde, ça y est, Facebook, qui permettait de faire, parce que tu fais pas mal de dire de longue distance, qui te donne les distances entre chez toi et la ville où tu modules, l'OM avec qui tu peux que tu trafiques. Et ça te donne la distance à vol d'oiseau, c'est beaucoup mieux que Google machin. Il est parti aux toilettes. Daniel, la vidéo est sur ta page Facebook ou pas? Oui, non, la vidéo, je l'ai faite, oui, je l'ai faite sur la radio PPD Sud-Ouest. Ah, oh, ouais, je suis pas assez là-dessus, moi, non, je suis pas assez sur le truc-là. Voilà, donc si tu veux, oui, il y a eu la vidéo, mais elle était sur la radio PPD Sud-Ouest. Donc, je l'ai passé en direct sur Facebook même. Je le fais sur le groupe, mais comme le groupe il est privé, et là on critique, donc le besoin c'est que pour la partager, il faudra que j'envoie avec l'administrateur du site pour qu'il puisse la modifier, pour qu'on puisse la partager. Ouais, ouais. Non, moi c'est pareil, je suis sur un truc privé de French DX. French DX, c'est Tony qui est du côté d'Orléans qui gère la page avec Vladoujo aussi. Avec Zozo, des fois le matin, quand il y a un peu de propagation, je fais des vidéos aussi, c'est sympa. Bon, des fois, il y a que dalle, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre là-dedans. Ah, en direct, il y en a une, tu vois. C'est les mecs qui mettent des logiciels sur l'ordinateur, je sais pas comment ils font. Ouais, bon, bah c'est tout, hein, déjà de plus. Non, moi j'ai pas de paradis ce soir, ça fait plaisir. Niveau radio, je suis parti vers 3h30 de la maison, donc je sais pas s'il y avait quelque chose. Mais il y a eu sa propagation ou quoi, Daniel? T'as écouté un peu ce 555, il y avait un peu de propagation ou pas? Donc je sais pas, moi j'entends rien. Je vais compter le test sur les oreilles et j'ai rien entendu là. Mais Angèle, tu l'as entendu comme moi? Ouais,
entendu, donc si c'est pas ça le matin, les 73 à toi l'ami, et si vas-y, on te laisse un petit blanc à toi, n'hésite pas. Oui, Mike, au fond, mais y a pas de problème, le Mike. En avant, bonjour, bonsoir. À la balle, Mike. Bonjour, je suis monté, mais bon, je voudrais pas trop brouiller les voisins. C'est simplement pour vous envoyer, si vous voulez bien envoyer le bonjour à Daniel Stockton. Il a été dans la radio plein il y a deux ans. Voilà. Daniel, il y a encore la personne à la room qui est arrivée, là. Oui, mais je t'attends à 100 h et je sais pas sur quelle fréquence, sur quelle bande, parce qu'il m'arrive vraiment bizarre, la voix est vraiment décalée, je n'arrive pas à te clarifier. À toi, je te relève le mic, la station. Ok, ouais, Daniel, il y a quelqu'un qui a l'air de te connaître à première vue par rapport au club de radio ou à un club d'assistance, je sais pas. Sur votre station, vous avez une radio assez... c'est un peu compliqué. J'ai réussi à comprendre quelques syllabes, mais c'est un peu difficile. Daniel, on va laisser un petit blanc. La station va se resignaler là, en avant. Oui, c'est pas très simple. On va arrêter assez loin. Parce que si c'est pas assez simple, j'attends pas un peu très près du RP là. C'est vraiment très 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 petit. Si c'est toi qui as un professeur en avant, Chantal. Hein. Voilà, c'est à tout le moment, Chantal. Retour à toi, que je t'en prie si c'est toi. C'est toi Christophe, Daniel demande. Non, c'est pas moi Christophe. J'ai fini simplement quand j'étais à Libourne. Ouais, je sais pas. C'est un agent à Libourne, alors la radio, allez, je veux pas être méchant, je suis pas là pour critiquer ni défavoriser la personne, mais la radio était vraiment très très compliquée. Écoutez, Eric, qu'est-ce que tu entends à l'OM là? J'entends pas du tout. Bonjour, Paul Mali. Allez, Angèle. Ah ok, bon la station personne t'attend, je sais pas quel est ton QTH, mais tu les entends bizarre. On est sur uniforme Sierra Bravo, est-ce que t'es décalé? Parce que la radio on dirait que t'es pas sur la bonne bande. À toi. Ah regarde, canard. Ça c'est la voix de canard, et vous tournez le rythme, je te comprends très très mal la station. Voilà, essaie de voir si t'as possibilité d'améliorer tout ça, ce serait un peu plus confortable pour nous tous, je pense que tu comprends. Attention là qui connaît Daniel, j'avais pas toqué de te toquer d'elle. T'es toujours là? Non, elle est partie, je sais pas, c'est ce qu'il y a fait à l'arrivage. Bon, n'hésite pas, si tu nous entends, n'hésite pas, relâche un break, moi je t'entends, tu t'arrives à. Tu m'as avec un bon signal, une bonne radio, enfin une bonne radio, non. Une radio bizarre, mais t'as une radio, mais à croire que t'es pas sur la bonne bande. On est là, on t'en attend, à toi Eric. Ouais, mais moi je l'entends pas du tout, hein. Alors rien du tout, même pas si ça se va. Christophe la connaît, et même Chantal la connaît aussi, voilà, l'opératrice
opératrice Daniela sur les Victorines MAC 40 là, qui a QRT, qui a tout arrêté la radio. Tu dois la connaître toi aussi Daniela, je sais pas si tu la connais de Visio ou pas, ou même pas de Visio, même de radio, je pense que tu la connais aussi Daniela. C'est possible, quand je vois quelqu'un devant moi, oui, j'allais te dire oui. Mais comme ça, je sais pas, donc je saurais pas te dire, c'est bon. Comment c'est pas grave. Parce qu'ils sont de Florac, comme ça, les Christophe, on les entendrait pas. Hein. Ah ouais, Chantal, quand t'as appuyé sur le micro le matin, moi, m'arrive à 9h40, hein, je veux dire, j'ai pas mal longtemps. Je reprends. Ouais, bon, je reprends, je voulais te dire, Daniel, la personne, ce que j'ai pu entendre, elle t'a connu sur Libourne, voilà, donc là tu vas me l'attendre. Elle t'a connu, c'est une personne que t'as connu sur Libourne, mais c'est tout ce que j'ai pu entendre, et j'ai pas pu entendre son QRZ, voilà, donc, essaye de te remémorer si quelqu'un de Libourne. Jean-Paul, tu l'as compris, sur 11 mètres. Oui, c'est ça aussi, oui, sur
oui, c'est également Jean-Paul aussi. Oui, mais Jean-Paul, bon, c'est vrai que ben, lui, c'est le matin bonheur surtout. Hein, quand il s'en va travailler, tout ça, je sais qu'il est derrière. Hein. Ouais, je sais, oui. Ah, ouais. Ouais, mais Jean-Paul, il le connaît, Stéphane. Tu l'as vendu ton matériel. Ah, oui, ok, c'est lui-même qui a vendu mon Yazu, la Lime et l'antenne. Ah, c'est un match. Ah oui, je le connais, ouais. Il y a longtemps que je n'ai pas vu, hein. Depuis que j'ai vendu ma tous, je l'ai entendu une fois ou deux sur un QSO avec Christian 43, sur 480, j'ai entendu discuter, ouais, j'avais vendu mon Yazu, la ligne que tu m'as redonnée, et la directive de éléments de chez Ita, là, la même que tu avais, voilà, j'ai vendu ça. Voilà, ça va, je ne sais pas s'ils sont aussi des revenus, Angèle, on va laisser un petit blanc. Ouais, t'as moustaché un peu de mon côté, moi, c'est pas, il est juste à côté, quoi. Mais moi, j'entendais pas du tout la station, alors elle doit être vraiment de votre côté, il est assez loin. Théo, ça veut dire absolument rien.
n'enregistre pas du tout. Et je lui ai servi de chauffeur. Ah, bien m'a dit, parce qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, ben, d'après 5 mois, il ne peut pas moduler parce qu'il ne veut pas changer, il ne veut pas mettre trop de puissance, puisqu'il est aimé depuis chez lui avec une petite antenne et il embête ses voisins. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu nous donner son QRZ. Et je lui ai demandé si c'était Daniel, il m'a dit que non. Et il ne voulait pas redonner son indicatif radio amateur là-dessus. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, je fais que le QSP, mon pauvre. Eh, désolé, hein. C'était loin, mais qui était indicatisé? Ouais, à l'époque, ouais. Alors, je connaissais un indicatif, oui, c'était Luc, de son prénom, qui habitait au Loubier. Voilà, donc après, je sais pas du tout. C'est pas, il a pas voulu te donner sa situation géographique. Approximativement, il est à côté de chez moi, donc moi, je... Ah ouais, c'est était à froid, putain, il m'arrive à faire un bruit quand même. Ah mais attends, on est passé sur le 28 FM, le 28, attends, c'est le 28 à normal, le 285. Alors en FM, avec le minimum de puissance, je cherchais mon S-mètre, quoi, comme s'il était comme toi, Stéphane, quand tu modules avec le minimum de puissance, exactement pareil, donc il doit être vraiment à côté de chez moi. Ah ouais, exactement, j'entends les canards.